La France accueille les 4 et 5 octobre prochains le 19e sommet de la francophonie. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement des pays où on partage la langue française, dont le Gabon, y sont attendus. Pour mémoire, lors de la 44e conférence ministérielle de la francophonie tenue en novembre 2023 à Yaoundé, les autorités de la transition, dont l'action salutaire est considérée partout comme un coup de libération, avaient reçu le soutien de cette organisation. Le sommet qui s'ouvre le 4 octobre 2024 se tiendra notamment à la Cité internationale de la langue française à Villers-Coutray, lieu entièrement dédié à la langue française et aux cultures francophones. Créer, innover et entreprendre en français, c'est la thématique retenue. Ce sera l'un des temps forts internationaux de la francophonie en cette année 2024. Et pour illustrer ce thème, la France a souhaité organiser en marge du sommet un festival en faveur d'une francophonie dynamique auprès de l'ensemble de la communauté francophone. L'OIF nourrit l'ambition de promouvoir une francophonie au service des peuples, d'en démontrer les dynamiques et les opportunités. L'innovation et l'entrepreneuriat, dont la diversité de l'espace francophone, seront donc placés au cœur de cet événement. Formidable vecteur de débat intellectuel, de création, d'emploi, la francophonie se présente alors comme cet espace porteur de talents et d'opportunités. La conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, communément appelé sommet de la francophonie, est l'instance suprême de cette organisation à laquelle le Gabon prend part activement. La présence à ce rendez-vous du chef de l'État Brice Clotaire-Oligui-Nguema en fait naturellement foi. Il est à noter que ce sommet fait partie des trois instances consacrées par la charte de la francophonie avec la conférence ministérielle et le conseil permanent de la francophonie et se réunit tous les deux ans. Il statue sur l'admission de nouveaux membres de plein droit, des membres associés et des membres observateurs à l'OIF. Le sommet définit les orientations de la francophonie dans un cadre stratégique décennal de manière à assurer son rayonnement dans le monde. Il adopte toutes les résolutions nécessaires au bon fonctionnement de l'organisation et à la réalisation de ses objectifs.